ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'info consacrée à la Société acadienne Port-Royal et en particulier à l'offre pédagogique qu'on y trouve. Et j'ai le plaisir d'être avec France Desilets. Bonjour France, vous allez bonjour, bien? Bonjour, merci, oui, très bien. Vous, là, juste pour vous mettre en contexte, là, oui? Vous n'êtes pas étrangère aux faits acadiens à Saint-Grégoire, là, vous, là? Je suis pas étrangère du tout. Parce que vous êtes native de... Je suis native de Saint-Grégoire, grégorienne pure laine, okay. Oui, mes racines sont bien d'ici. Et vous avez des ancêtres acadiens? Oui, moi je suis acadienne du côté maternel, okay. Du côté Hébert, qui était de Saint-Wenceslas, là, cette famille-là. OK. Et dans, parce qu'on peut dire, oui, j'ai des racines, mais est-ce que ça fait partie de votre identité? Est-ce que vos parents, vos grands-parents vous en ont parlé de ça? Oui, je pense que ma mère nous parlait des Hébert, là, les pères, les grands-pères, les arrières. Et puis, je me suis intéressée plus à ça, rendu à la trentaine, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, OK, c'est correct, là. Mais, tu sais, ça a tout le temps été présent quand même, là, de savoir les liens de famille et que Hébert, c'était acadien. Et c'était des gens qui faisaient quoi, les premiers? C'était-tu des agriculteurs? C'était-tu des gens de commerce? Je dirais agriculteur, ouais, oui, dans la lignée là, de ce que je me souviens, là, okay. Il y a eu quand même des agriculteurs, oui. Et ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Non, on s'était vu à quel contexte? Il me semble que c'était l'automne, novembre? À l'automne, à la commémoration acadienne, ouais, je pense. Ben, c'était quoi cet événement-là? Il y avait, moi, je me rappelle d'un monument, je me rappelle de la présence de la mairesse, de conseiller oui. municipal de Bécancour, mais c'était quoi qu'on avait voulu faire? À la commémoration acadienne, pour la première fois cette année, un collègue acadien, M. Lantaigne, m'avait téléphoné en me disant... « Oh, France, ça serait peut-être bien qu'on fasse une commémoration. » Ça se passe le 13 mars. Okay. Et puis, avec une histoire dont il connaissait tous les dessus et les dessous. Puis j'en ai appris cette journée-là. Des bateaux qui ont péri en mer avec des gens de tous âges acadiens lors de déportation. Alors, ben j'ai dit, pourquoi pas? Il dit, écoute, si 5-6 personnes, et du moins, je vais être bien content, mais il dit, on pourrait partir ça, puis vivre ça cette année au monument. Alors, on a mis ça en branle, et puis finalement, bon, ben invite un, invite l'autre à la ville, etc. On s'est ramassé presque une vingtaine de personnes, fait qu'on était bien content de ce moment-là, puis les gens ont apprécié. Puis on sent qu'il y a comme un regain là, de la société, il y a plus d'événements, il y a plus de choses qui se passent. Mais là, je m'intéresse à vous encore. Vous étiez enseignante. Oui. C'est-tu quelque chose qui... Moi, je vois un lien à votre implication ici, puis l'enseignante, parce que moi, je pense qu'on demeure enseignant toute sa vie. Oui. La volonté de transmettre des connaissances, c'est-tu quelque chose qui explique votre bien, implication? Comme je dis toujours, quand tu es retraité, c'est comme... tu as quasiment le mot bénévole sur le front. Fait qu'alors, des fois, on vient te chercher ou tu choisis de t'impliquer. Et puis, c'est sûr que, en tout cas, par ma profession... c'est quand même quelque chose d'intrinsèque, si on veut, au niveau de la recherche, d'apprendre, de transmettre l'histoire acadienne. Là, Et vous êtes sur le conseil d'administration? Je suis sur le conseil d'administration. Je suis présidente là, depuis 2 ans. Là. 2 ans. Et vous êtes impliquée depuis combien d'années? Oh mon Dieu! J'ai commencé au Guérit lorsqu'il y avait les spectacles, les retrouvailles acadiennes, un peu d'un genre de festival. Oh, ça doit s'en aller sur près de 20 ans, peut-être 15 ans, en tout cas sûrement, là, je ne retiens pas ça. Bravo, félicite, c'est quand même une belle implication. Merci. Là, vous me parliez de vos parents, grands-parents, vos ancêtres, tout ça. Bon, oui, je peux avoir des racines acadiennes. Tantôt, vous avez dit « je suis acadienne mm ». -hmm. Vous considérez qu'en 2023, France Desilets, vous vous identifiez comme acadienne? Bien, moi, de par le côté maternel des Hébert, qui part de Étienne, aller jusqu'à la famille de mon grand-père, de ma mère, oui, ça fait partie de moi. Là, je me dis, j'ai une moitié acadienne en moi, puis je suis fière de l'être. Bon, bien là, ça, c'est très bien. De là à s'impliquer depuis des années, de mettre du temps, vous êtes ici aujourd'hui bénévolement, vous avez pris du temps pour venir nous rencontrer, faire une belle émission de télévision. C'est quoi vous voulez transmettre par ça, par cette implication-là? C'est quoi vous...
parce qu'on ne fait pas rien de façon, pour, on ne fait rien pour rien dans la vie. Ce n'est pas nécessairement pécunier, pourquoi qu'on fait ça, mais on veut transmettre quelque chose. C'est quoi vous voulez transmettre par votre implication? Bien, le fait acadien et mon implication à la Société acadienne Port-Royal, qui est de faire rayonner le fait acadien, qui est notre mission. Je pense que c'est important. On est dans un Saint-Grégoire, la ville de Bécancour, la rive sud, tu sais, des gens qui ont des racines acadiennes, il y en a comme ça là, dans la vie. Puis à Saint-Grégoire même, là, si on nomme des familles, je vais en oublier, mais tu sais, les Bergeron, les Cormier, les Leblanc, etc. Alors, c'est riche qu'on a à Saint-Grégoire et dans la ville de Bécancour. Je sais que dans tous les autres secteurs, là, il y a des noyaux de personnes aux origines acadiennes aussi. Là. Et cette histoire-là, moi, je vais vous faire une confidence. Des fois, elle me choque, moi. Ça me heurte, la déportation, l'oubli, on va se dire. Des fois, on a comme tendance à oublier. Ça vient pas vous heurter, vous aussi? Moi, l'histoire de la déportation, je veux dire, ça me... J'en ai les larmes aux yeux à l'occasion, puis je me dis, mon doux, quelle tristesse, quelle affaire de déplacer des gens, parce que, bon, toi, tu as le pouvoir, puis tu veux... avoir un territoire, dans le fond, hein, c'est ça l'histoire, le nerf de la guerre, si on peut dire. Uh-huh. Et puis d'envoyer ces gens-là partout, ça serre le cœur un peu. Ouais. Ça serre le cœur. Et puis, c'est une triste histoire, mais vraiment. Et puis, de là, résulter tant de résilience et de recommencement à d'autres endroits. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont arrivés ici, au lac Saint-Paul, qui ont fondé Saint-Grégoire, ouais. Avec toutes les difficultés et la... Parce que la misère pour la misère... La misère. Ça ne mène pas à quelque chose de pauvre, tu sais quoi. Est-ce qu'on peut tirer des choses positives de la misère? Mais en tout cas, il y a une résilience, il y a une prise de possession du territoire. Exact. Des gens qui se sont dépassés au sens... Retrousser les manches et rebâtir, amener tout ce qu'il y a aujourd'hui, dans le fond. Et on veut le transmettre aux jeunes, à la société. Dans le fond, on a développé une offre pédagogique ici. Qu'est-ce qu'on fait en particulier au niveau de la société? Au niveau du primaire, alors justement, hier, j'ai vécu deux animations à Sainte-Françoise. Et puis, le volet au primaire touche plus la généalogie. Alors, il y a une partie historique avec les bateaux qui sont partis de La Rochelle vers la Nouvelle-France et le territoire acadien à cette époque-là. Hier, j'ai débordé un peu sur l'histoire, là. J'étais partie, puis là, les enfants écoutaient ça religieusement. Alors, parce qu'ils en ont entendu parler aussi dans leur contenu de matière avec leur enseignante, un peu la Nouvelle-France, mais le volet comme tel de acadien, là, ça vient se greffer très bien, puis là, ça apporte une nouvelle connaissance. Et puis, après ça, c'est comme, bien... Les patronymes, comment c'est venu? Ça n'a pas toujours existé, les patronymes. Là, les enfants, ils ne savent pas ça. Là. Fait que, y a une petite explication là-dessus. Juste définir patronyme, c'est les noms. Le patronyme, c'est le nom de famille. C'est oui, ça, exactement. Ouais. Alors, comment ça a parti, les patronymes? Comment ça se fait qu'au départ, admettons, il y avait quatre Martins, bien là, il fallait qu'ils disent Martin à Jean, puis Martin à Arthur sur l'autre bord, mais ça ne pouvait pas toujours rester comme ça. Alors, puis, à un moment donné, ça a été... Ah, bien, Martin des Coteaux, parce qu'il y avait des Coteaux. Fait que là, ça ciblait déjà des gens qui étaient de la même famille, qui vivaient à tel endroit. Donc, ce patronyme-là arrivait. Ensuite, le jeune, le gros, le bon. Alors, c'est des noms qui ont été utilisés aussi pour fait que dans, exemple, dans votre exemple, vous donnez, vous en faites des animations. Vous allez dans des écoles. Oui. Et est-ce que des jeunes disent, ah ben oui, moi, je m'appelle comme ça? Y a-tu des... Ça arrive-tu parfois, oui, bien, tu sais, comme hier, bon, admettons La Pointe. Bien, pourquoi que c'est La Pointe? Bien, les gens y habitaient sur une pointe. C'était pointu. Fait que là, tu sais, l'enfant, elle a fait « Ah, ouais! » OK, fait que là, tu sais, c'était clair pour elle, là, d'où ça venait. Puis ça s'est transformé aussi, des fois, les noms de famille, la calligraphie des noms.
tu sais, Béliveau avec un X, on ne voit plus ça aujourd'hui. Fait qu'en, moi, j'ai déjà vu Béliveau avec deux L. Deux L. Ça, on en voit peut-être à l'occasion en Acadie. Des fois, même là. VO, j'ai déjà vu ça. VO, c'est ça. Fait que, tu sais, bon. Mais ça, en passant, juste faire une parenthèse, c'est que la généralisation de l'écriture, elle n'était pas ce qu'elle était il y a 200 ans. Exactement, oui, oui. Oui, il y a encore des gens qui ne savent pas écrire, c'est triste. Là. Il y a des analphabètes au Québec, mais généralement, les gens savent écrire. Fait que la transmission du nom, elle ne se faisait pas oralement. On peut peut-être faire un parallèle, les vieilles chansons traditionnelles. Mm-hmm. Mon grand-père, elle chantait de même, ça ne veut pas dire que moi, je la chante de même. Tout à fait. Ça se transformait. Ça évolue, ça se transforme. C'était la même chose pour les noms. Alors, pour l'offre pédagogique, dans le fond, les enfants, dans un premier temps, ont fait une recherche à la maison auprès de leurs parents. Okay. Trouver les grands-parents, les arrières, selon ce qu'ils sont capables, ce qu'ils peuvent apprendre. Et puis là, ils ont gardé leurs informations. Et puis, la dernière partie, c'est que moi, je leur donne un arbre généalogique. Fait que là, ils vont transcrire leurs données en respectant des petites règles de base. Hein. Le côté paternel, c'est à gauche. Pourquoi on écrit au crayon plomb? Ça a l'air nono, mais si on se trompe, c'est plus facile à corriger. Ensuite, en gros, ensuite, il y a des fois les lettres, le D pour décès, M pour mariage. Ça dépend... Parce que, ben, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une science. La généalogie. Donc, il y a des codes, il y a des manières. Si on veut être compris par d'autres, tout à fait. On a des similarités dans l'interprétation. Puis là, je leur disais, c'est important, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'étaient trompés en copiant... Fait que j'ai dit, regarde, s'il y a des personnes qui veulent regarder ton arbre généalogique, là, mon doux, ils ne comprendront plus. Là, ils vont dire, hey, comment ça se fait? Elle s'appelle de même. Puis là, fait que c'est important que ce soit la même chose pour tout le monde, parce que les gens qui font des recherches, bien là, ils sont capables d'en trouver là, jusqu'à 100 à 1000. Là. Quand on parle d'une roue de pain, là, avec dans les 1000 noms, il faut être précis, il faut être rigoureux. Et j'ai eu des discussions par rapport à ça au niveau des sources. Je fais une petite parenthèse. Ouais. Là. On n'est pas dans la grade généalogie avec des enfants du primaire, je présume. Là. Mais on a quand même chanceux, les Québécois francophones, vraiment, à cause de la présence, je me trompe, là, je ne veux pas dire des niaiseries, mais je pense que la présence de l'Église catholique dans la grandisation de la société a fait qu'il y avait des gens qui archivaient les naissances, ouais, ce qui n'est pas le cas, puis ça, c'est partout, pas déconsidéré. Non. Mais exemple, il y avait pas de, on faisait pas ça, genre, c'est les Autochtones, d'avoir des archives de des naissances, puis tout ça. Donc, la généalogie n'est pas pareille. Donc, on a laissé trace. Il y a eu ça, puis il y a toutes les archives maintenant avec les sites, là, mesaïeux.com, Généanet... BMS, tu sais, et j'en passe, là, dans les sociétés de généalogie, il y a des documents, alors des recherches peuvent se faire vraiment. Mais là, les jeunes, ils font ça, les arbres, là, puis tout ça. Ouais, on parlait de ça avec leurs parents, peut-être avec leurs grands-parents. Ouais. Ça a peut-être amené des discussions à la maison. Tout à fait. Se sortir le nombril du ici et maintenant, voir qu'il y a quelque chose derrière. Mais qu'est-ce que les jeunes, c'est quoi l'intention qu'on a en faisant ça? Bien, dans le fond, c'est que au départ, l'enfant du primaire, bien, c'est son histoire là, de famille, sa région. Alors, on commence par ça, puis un sentiment d'appartenance. Comment trouver ça? Aussi, l'enfant, dans ça, il peut avoir le goût de poursuivre. Là. La plupart avaient 4 générations. Puis là, il y en a qui en savaient un petit peu, mais je disais... Toi, là, dans ce carré-là, si tu continues pour trouver un arrière-arrière, grand-père, regarde, c'est sûr qu'il va porter ce nom-là. Il l'écrivait tout de suite. Mais j'ai dit, tu vas faire ça peut-être avec tes parents, puis ça va te donner le goût peut-être de continuer. Mm-hmm. Puis j'ai fait pour une première fois, en tout cas, j'ai cherché vraiment là, sur tous les sites. Je partais avec origine du patronyme, ça me donnait des informations. Combien qu'il y en a de répertoriés, la provenance, Paris, Poitou, peu importe, avec la signification des fois, exemple, pressé, que tu as comme patronyme, ben, ça vient de pressoir. La mairesse de Fortierville, Julie Pressé. Ah, bien, voyez-vous, ben, je ne savais pas que c'était Madame Pressé. Moi, ce nom-là, avant de la connaître, je ne le connaissais pas, ce nom de famille. Fait qu'il y avait une petite fille, fait que là, je donne ça. Ensuite, bon, un ancêtre. Ben, c'était peut-être sa fille. Peut-être. Oui, je pense que c'est ça. OK, bien, c'est bon, je suis bien contente. Et puis, un ancêtre qui est parti
et qui est arrivé peut-être à l'île d'Orléans en 1600 quelque chose, bien, c'est toutes des petites informations qui se relient à leur patronyme. Ouais. Et puis, là, il était content de savoir ça. Il y avait une petite fille, Alexis le Trotteur, faisait partie de ce que je lui ai donné comme information. Parce qu'il y a ça, tu sais, il y a comme... ça, ben, ça rend fierté, fière, je ça, pense. Des ben, ancêtres qui sont connus, pas. Qui ben, sont certains, célèbres. Voyons donc. Ben, ça, fait que là, j'ai dit, tu parles de ça avec tes parents, là, puis ils doivent connaître ça. Fait que, ouais. Moi, je me ça, cherche un lien avec René Lévesque. Là. À un moment donné, je vais le dire. S'il faut, je vais l'inventer. Fait que donc... j'ai une profonde admiration pour M. Oui, Lévesque. Je comprends. Mais je pense qu'on n'est pas de la même taille. Il est un petit peu petit que moi. Mais il a fait des grandes choses. Fait que toutes ces informations-là que chaque enfant avait. Alors, ça faisait une languette de papier, pardon, puis ça a été collé dans leur arbre généalogique qu'ils ont rempli ouais. en ma présence. En tout cas, ils sont partis avec le sourire aux lèvres, puis ils étaient heureux, puis... Parce que ce que je trouve, moi, étant baigné par l'enseignement, j'ai été formateur, j'ai écrit des guides pédagogiques ouais. dans ma vie. Je ne suis pas un enseignant patenté, là, mais j'ai professé, on pourrait d'accord, dire, c'est en masse ça? Dans ma vie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le lien avec le passé, l'identité. Mais là-dedans, c'est une superbe recherche scientifique. On applique exactement. La méthode. Moi, je suis journaliste c'est dans ça. La vie. Du oui. travail journalistique, ça, là. Mm-hmm. D'aller chercher oui. les sources, valider. Puis là, moi, j'ai des enseignants qui m'écoutent là, à la télévision, là, qui nous écoutent, là, qui sont emballés. Comment? On vous attend à la Société acadienne. Mais comment qu'on peut vous faire venir? On peut venir ici, là, mais mettons, je veux que vous veniez dans ma classe. C'est quoi les groupes? On va quoi pour le primaire? C'est quoi? Primaire 4, 5, 6. OK. Tu sais, c'est sûr que j'ai des enseignantes de sixième année. Ça va être la troisième fois que j'y vais parce qu'eux autres, ils ont vraiment collé notre contenu à leur contenu de classe. OK. Fait que ça, là, pour eux autres, c'est signifiant. Puis ça fait partie de leur enseignement pour cette période-là dans l'année. Et puis, ça, c'est merveilleux. Puis je pense que l'enrichissement au niveau de la généalogie chez les quatrièmes années, mais tu sais, tout le monde va chercher quelque chose. L'enseignante de quatrième année me dit « Ah, ben moi, j'ai vu la Nouvelle-France. » Puis là, ce que tu viens de donner dans ton histoire, là, ça se greffe à ça. Uh-huh. Donc, c'est... Je pense que c'est... Fait qu'on c'est... contacte la société. Oui, on contacte la société. Il y a des coûts, mais c'est pas... Il y a des coûts. C'est pas, on c'est a pas notre, énorme. Notre offre qui est... Ben c'est 200 $ pour bon. Une animation. Il y a du travail là-dedans, là, je vous assure, là, de tout le document qui a été monté jadis, ben oui. qui est transformé avec, en tout cas, le petit volet nouveau que j'ai ajouté, là, vraiment, c'est du temps. Ouais. Puis sans entrer dans les détails, je crois que les écoles ont des budgets pour de faire venir des formateurs. Bien, je pense, c'est ouais. un choix de ben oui. classe, un choix d'école, ben oui. des fois, de dire, ben cette année, on privilégie telle chose. Ou, donc, c'est... on a bien parlé du primaire. Oui. Moi, j'ai le goût de me transformer en élève par la cité à ça. Mais là, je suis plus un peu plus vieux. Si on va vers le secondaire, on a des présences aussi dans le cadre du cours Histoire du Québec et du Canada. Oui. C'est le secondaire 3 est particulièrement ciblé avec la guerre de la conquête. Okay. Alors, et le volet acadien est peu approfondi non plus au secondaire. Donc, nous, on arrive avec tout le contenu de l'enseignant, si on peut dire, ce qu'il voit, c'est vraiment ciblé. Et la particularité acadienne avec qui vient bien s'imbriquer là-dedans, qui vient bonifier aussi le contenu du secondaire 3. Et puis, il y a une partie avec la société acadienne, dans le sens, la partie historique, Saint-Grégoire, le lac Saint-Paul. J'aborde ça aussi dans la présentation, là, qu'on se partage à deux souvent. Mm-hmm. Et puis, il y a la partie aussi plus populaire, si on peut dire, au niveau des personnalités acadiennes, des artistes acadiens. Il y en a qui les connaissent, il y en a qui les connaissent pas, fait qu'on fait ce survol-là. Puis il y a une partie quiz, où est-ce qu'il y a des questions là, à choix, ou vrai ou faux. Puis là, c'est interactif, tout ça, à la fin, en tout cas. C'est bien populaire. Parce qu'on a, évidemment, on a accès à des médias maintenant. Bien, oui. On a des émissions, on a des canaux spécialisés en histoire.
Quoique, tu sais, moi, je commence à être tanné les histoires du fin fond du Wisconsin. Oui. On pourrait compter nos histoires. Chez nous, oui. Ouais, on pourrait compter. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de faire avec nos moyens, avec Télécœur. Mais l'histoire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'histoire, elle est chez toi. T'sais, moi, j'espère que l'élève comprend. Tu sais, de la Saint-Paul, oui. Saint-Grégoire. J'y étais l'autre jour avec ma mère faire l'épicerie à Saint-Grégoire. Oui. Tu sais, il y a une assise. L'histoire n'est pas à Québec, n'est pas à Washington, n'est pas à New York. Elle est chez nous. Vous avez mentionné le lac Saint-Paul. Même le lac Saint-Paul, on est allé à Drummondville en janvier, à Lac au Saumon en décembre. Bon, là, c'est plus loin, là, mais même dans notre coin, le lac Saint-Paul, là, je vous dirais, des fois, il y en a qui disent... Ah ouais, le lac Saint-Paul, il pense au lac Saint-Pierre. Fait que là, on précise ça. Puis lorsque je dis qu'il y a eu un chantier maritime au lac Saint-Paul qui s'est bâti des goélettes, là, le prof et les élèves, là, tu sais, les élèves, voyons donc. Ça va arriver qu'un ou deux le savent, mm-hmm. parce qu'ils ont des connexions avec leur famille puis qu'ils n'ont entendu parler. Mais c'est comme, ah oui, un chantier maritime au lac Saint-Paul. Je vous le dis, c'est une révélation. Ouais. Mais notre territoire, bien... Moi, je suis en nord d'Aston. Oui. Puis moi, je vois tout le temps, il y a une scissure. Il y a les seigneuries. Et oui. Nous autres, on est des cantons. Mm-hmm. On est plus loin du fleuve. Mais notre histoire, notre vie quotidienne était beaucoup tournée vers le fleuve. Ouais. Et là, il y a eu des changements. À un moment donné, il y a l'auto qui arrive, le train avant. Exact. Et là, tu sais, le fleuve s'est rendu la 20 puis la 40. Oui, là. Oui, tout à mais fait. Mais les gens, c'était ça. Pourquoi qu'on faisait des bateaux au lac Saint-Paul? Le fleuve, ça en allait au fleuve, exactement. À Québec, même les rois voulaient des goélettes à un moment donné oui. Là, fait que... Donc, ouais. Secondaire, encore là, on peut contacter la société. La société acadienne. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas désincarné. Vous collez. On se colle sur le contenu, la réalité, c'est bien important pour que ce soit signifiant. Ça, parce là. Que le prof, le lui, prof, il y a de l'enseignement à faire. Lui, il peut pas. Il n'y a pas 15 périodes. On va parler de ce que ça me tente là, dans 15 périodes. C'est là. Ça. Faut ben, que ce soit si le prof est ouvert à la réalité acadienne et que ça lui parle, ben, ça permet juste de bonifier son contenu puis d'aller un peu plus loin que ce qui est décrit dans le livre, dans le fond. Et un excluant pas l'autre, on peut faire venir la société chez nous, oui. mais on peut venir chez bien nous certain. À la société. Exactement. Les groupes ici, les groupes, bon, monsieur, madame, tout le monde, moi, je peux venir visiter la société, oui. les musées, oui. les bâtiments, exactement. Tout ça. Mais si, exemple, je suis enseignant, je veux amener un groupe d'élèves, comment ça fonctionne? Alors, on a aussi sur le site des offres pour des visites touristiques avec les élèves. On en a reçu avant la pandémie, quand même. Oui, il y a eu une difficulté à un moment donné, mais là, on peut. On repart, on peut. Ouais. Alors, les groupes peuvent venir nous visiter. On va faire la visite de tous les bâtiments qu'on a, les expositions. Et puis, je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup au niveau de l'histoire. Et une visite, ça dure combien de temps? T'sais, comment, moi, comme enseignant, combien de temps je dois prévoir? Et avant sa question, est-ce qu'il y a un nombre minimum d'élèves? Peux-tu venir avec 10 élèves? Peux-tu venir avec 100 élèves? Avec 10 ou avec 20 ou 40, on va faire des sous-groupes puis on va faire un partage, on va s'organiser. Un horaire, une logistique. Il y a différents sites. Oui, tout à fait. On ne peut pas rentrer 100 personnes. Non, ici. C'est ça. Fait qu'un groupe au moulin, un groupe à l'exposition permanente. Puis c'est comme ça qu'on faisait. Donc, c'est ça. Fait que là, je reviens à ma première question. On va me démêler. Ça prend combien de temps? Ah, je vous dirais qu'on peut remplir facilement un bon 2 heures. Là. OK. Tu sais, des fois, ils vont arriver après dîner ou s'ils arrivent le matin. Des fois, des groupes ont dîné sur place. Puis là, il restait une... Puis si on a du temps, là, on organise un petit rallye ou quelque chose là, pour combler. Puis après ça, bien, souvent vers 2 heures, il faut que ça reparte à cause des autobus et tout et tout. Là. Fait que là, mettons, je vais me projeter. Là. Moi, je suis avec un groupe d'élèves. Comment ça se déroule? C'est qu'on nous accueille, on nous fait une présentation globale? Oui, et on fait des sous-groupes. Okay. Alors, il y a des responsables qui vont partir au moulin avec le groupe A, puis à la petite école, moulin, au groupe B. C'est quoi qu'on va présenter? C'est quoi le régime seigneurial? Au moulin, ben c'est l'arrivée des Acadiens. Bon, il y a la partie des Autochtones. OK. Ensuite, la partie seigneurie s'est expliquée aussi sur des grands panneaux. Ensuite, il y a des artefacts au deuxième étage. Je suis curieux. Oui. Peux-tu rentrer dans le moulin?
On rentre dans le moulin, oui. OK, parce que moi, je suis passé souvent autour. Vous n'êtes jamais rentré encore? Je suis jamais rentré. Ben là, je ne savais pas qu'on pouvait rentrer. On rentre. Je vais vous donner une date, là. 2023 à l'été. va me déniaiser. Mais des fois, on a des choses chez nous. J'étais déjà venu à la société, mais j'ai jamais. J'avais okay. pas la petite école non plus. Je n'ai okay. jamais rentré dedans. Mais on peut physiquement rentrer dedans. Oui, oui, oui. Okay. Puis au troisième étage, on a un film qui est magnifique, qui raconte toute l'histoire du capitaine Vigneault, en tout cas, qui est quelqu'un de des racines de Saint-Grégoire, avec les moulins, comment ça se passait. C'est vraiment bien présenté, puis ça fait une belle synthèse. Donc, on a le moulin, on a l'ancienne... À la première école, dans le fond, des Sœurs de l'Assomption. C'est pas une école de rang, c'était l'école du village. C'était pas l'école de rang, c'était l'école du village. Elle a été déménagée, elle était comme attachée, parce que les bâtiments ont changé avec okay. le temps aussi. Et puis, elle a été déplacée. Et dans la petite école, c'est l'histoire du lac Saint-Paul. C'est les bateaux. Il y a comme... OK, on a fait une thématique. Exactement, oui. C'est-tu fais comme une classe ou... Non, mais c'est une pièce. Okay. Et puis, ils ont, c'est ça, le bateau, tous les panneaux, les essences de bois qu'on devait avoir pour la construction. Il y a une passerelle où est-ce qu'on peut regarder aussi la construction des bateaux. Okay. Il y a une section où est-ce que c'est les anciens outils utilisés jadis. Okay. Et on doit trouver la correspondance de l'ancien outil à l'outil d'aujourd'hui. Ça, là, puis il y a un intrus dans les outils, là, qu'il faut que les gens trouvent. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une interaction. Je me mets en action comme élève. Oui, tout à fait. Et l'église? L'église, ben c'est patrimonial chez nous, l'église de Saint-Grégoire. Alors, il y a une visite avec les architectes du temps, l'histoire de l'église de Saint-Grégoire. Et, l'importance du fait religieux. Oui, la foi, oui. mais dans l'organisation de la société. Exactement. Ouais. L'église, c'était l'État. Ça a été comme ça. C'était beaucoup de ça. Bien, très intéressant. Juste un récapitulatif. Donc, si on veut en apprendre sur la mission éducative de la société, on peut communiquer évidemment à info@sapr.ca. Oui. Le site internet sapr.ca. Exact. Donc, une belle occasion d'apprendre oui. à tout âge. Parce que oui, on a parlé des élèves vraiment, de secondaire. Vraiment, oui. Mais on peut, comme adulte, comme je suis... En tout cas, j'espère qu'on peut venir visiter. Puis ici même, ouais, à l'endroit où nous sommes, c'est l'exposition permanente des Acadiens d'hier à aujourd'hui, avec des panneaux. Je pense que c'est très bien expliqué. Et il y a aussi la classe des Sœurs de l'Assomption oui. aussi, qui ressemble, à l'école de rang jadis. Là. Okay. Alors, les enfants sont assis au bureau et puis on leur fait faire une dictée. Des fois, on leur explique le petit clapet, c'était quoi, ça servait à quoi. Alors, tout ce qui s'est passé à l'éducation jadis. Bien, merci, Madame France Desilets, fière acadienne. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup.